Alors cette photo, je l'ai faite dans les années 80, dans le cadre de ce travail en quête d'identité. C'est une image qui est importante pour moi parce que bon, j'aime bien sa composition en V, mais surtout, c'est le regard de ce petit garçon à la casquette qui m'a attiré. Et vous savez, ce que j'aime bien dans le processus de la photographie, c'est finalement comment l'inconscient entre en fait dans le processus de la prise de vue. Au moment de la prise de vue, j'ai été attiré par ce regard un peu inquiet, qui faisait sans doute écho à quelque chose dans ma propre vie, mais ensuite, plus tard, quand j'ai découvert cette photo sur le papier, en tirage, tout de suite, j'ai pensé à la photo qu'on a tous, en fait, dans notre mémoire collective, du petit garçon à la casquette, avec les bras levés, du ghetto de Varsovie. Mais au moment où j'ai fait la photo, j'en étais pas conscient. C'est ça que j'aime bien dans la photographie. C'est comment l'inconscient et le conscient s'entrechoquent et s'interfèrent.